projet S'aventurier des glaces, j'ai voulu que les élèves disposent d'un support dédié et individuel, leur carnet de chercheur. Ils ont donc reçu un petit cahier de TP dont ils ont pu illustrer librement la couverture afin de se l'approprier. La première page a été la page « Mes questions ». Et les élèves étaient invités à y noter les questions qu'ils se posaient ou qui les intéressaient en rapport avec les thématiques du projet. Ce travail s'est effectué sur plusieurs semaines de manière à ce que les questions s'enrichissent, des moments de mise en commun se précisent, à ce que de nouvelles questions émergent. Ce cahier a servi de support à leurs moments de réflexion individuelle et de recherche. C'est là qu'ils prenaient des notes, qu'ils imaginaient les expériences à réaliser ou qu'ils schématisaient leurs hypothèses. D'où l'intérêt du cahier de travaux pratiques avec les pages blanches. C'est là aussi qu'ils notaient les questions élaborées collectivement, les conclusions auxquelles nous arrivions. Ils étaient libres de l'utiliser à des moments hors projet, à la maison notamment, pour y noter tout ce qui pouvait avoir un intérêt pour notre projet. Des films ou des expos qu'ils avaient vus, des expériences qu'ils ont réalisées à la maison, des articles qu'ils ont pu lire.